Hello, c'est Namiri Alpha. Bah écoutez, on va continuer notre histoire, notre gameplay sur ce beau jeu Dragon Age Inquisition. Et on va parler avec Hawk. Parce qu'il y a beaucoup de blabla ce dernier temps. Hein. Franchement, il y a énormément de blabla. Il y a des blabla avec Cassandra qui attend de choper Varric. Parce que Varric a fait amener ici Hawk. Qui on sait quelque chose sur notre boss, notre méchant, le grand méchant. Et puis, du coup, on va lui parler. On va lui parler. Inquisitrice, je vous présente Hawk, héros de Corquo. Bien que je n'ai plus trop l'occasion d'utiliser ce titre. Hawk, voici l'Inquisitrice. Tu as sûrement de bons conseils à lui donner sur Corypheus. Après tout, on l'a combattu toi et moi. Cette vue me rappelle ma maison à Kirkwall. J'avais un balcon qui surplombait la cité tout entière. J'adorais ça au début. Mais au bout d'un moment, je ne voyais plus que le peuple qui dépendait de moi. Une simple cité, vous avez de la chance. Moi, c'est la moitié de Tedas. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les protéger. Ça devient plus facile à la longue? Je vous tiendrai au courant. Je ne voudrais pas être à votre place, Inquisitrice. Mais peut-être que je peux vous aider. Varric a dit que vous aviez déjà combattu Corypheus. Combattu et tué. Les gardes des ombres l'ont enfermé, mais il a réussi à les influencer. Sans doute en exploitant ses liens avec les engeances. Corypheus s'est immiscé dans leur tête. Il leur a fourvoyé l'esprit. Il les a montés les uns contre les autres. Si les gardes ont disparu, il se peut qu'ils soient encore tombés sous son emprise. Si c'est ce genre de malheur qui est arrivé aux gardes, vous pensez qu'on peut les délivrer? Possible, mais avant, il faut qu'on en sache plus. J'avais un ami dans la garde. Il y menait pour moi une enquête, sans lien direct avec notre affaire. Il s'appelle Stroud. La dernière fois qu'on a discuté, il s'inquiétait de la corruption qui rongeait les gardes. Depuis, plus rien. Une corruption qui est sûrement due à Corypheus. Et ton ami, est-ce qu'il s'est volatilisé avec eux? Non. Il m'a dit qu'il irait se cacher dans une vieille grotte de contrebandiers, près de Boscray. Si vous n'étiez pas au courant pour Corypheus, qu'est-ce que vous fabriquiez avec les gardes? Les Templiers de Kirkwall exploitent une curieuse forme de lyrium que je n'avais jamais vue avant. De couleur rouge et très dangereuse. J'espérais que les gardes m'en apprendraient plus à ce sujet. Corypheus avait des Templiers avec lui à Dars. Apparemment, ils ont été exposés à cette forme de lyrium que vous décrivez. Pourvu que mon ami chez les gardes nous en apprenne plus. Pour l'instant, je n'écarte aucune piste. Bien, je ferai mon possible pour vous aider. Corypheus, j'en prends la responsabilité. Je croyais l'avoir déjà tué. Cette fois, je ne le raterai pas. Parfait. Alors, et toi alors? Je suppose que Varric vous a parlé de l'Inquisition. Qu'est-ce qu'il vous a raconté sur moi? Que du bien, je vous le jure. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Varric n'est pas un fervent défenseur de la religion, mais il pense beaucoup de bien de l'Inquisition. On m'a dit que vous aviez de la famille à Kirkwall. Des amis. Où sont-ils passés? Quand les gardes ont changé de comportement, j'ai demandé à mon ami Aveline d'éloigner mon frère des marches libres. Mon oncle Gamelin est toujours à Kirkwall, mais tous les autres que je connaissais, ils sont éparpillés aux quatre vents. Où êtes-vous allé après la révolte des mages? J'ai entendu dire que la chanterie songeait à lancer une marche exaltée sur Kirkwall pour endiguer la rébellion. J'espérais que mon départ sauverait des vies et forcerait la divine à diviser ses forces pour me traquer. Au final, j'aurais mieux fait de ne pas m'inquiéter. Les cercles se sont soulevés les uns après les autres et la marche exaltée n'est jamais arrivée. Nous parlerons plus tard. On se retrouve à Boscray. Voilà, encore une zone à explorer. Et puis...
autre chose. Ouais, faut que j'aille là pour voir s'il y a autre chose à faire. Les quêtes ou... Ça va. Tranquille. Ah. Donc vous saviez où était Hawk ? Bien sûr que je le savais. Espèce de petit faux cul. Vous m'avez enlevé. Vous m'avez interrogé. Qu'est-ce que vous espériez ? J'espérais que vous diriez la vérité. Je vous ai dit ce qu'on risquait. Donc j'aurais dû vous le livrer sans poser de questions ? Ne t'en fais pas, Hawk. Cette fanatique n'est pas folle, je te le promets. Ah ! Regardez-la. Elle a perdu la tête. Ce serait vraiment drôle si ce n'était pas aussi triste. On avait besoin de quelqu'un pour mener l'Inquisition. Hawk était notre seul espoir. C'était le héros de Kirkwall. Les mages le respectaient. Et vous nous l'avez caché. L'Inquisition a un chef. Hawk aurait été au conclave si quelqu'un avait pu sauver sa sainteté. Vous ne pouvez pas changer le passé, Cassandra. Alors quoi ? Je dois accepter que tout soit arrivé par la volonté du Créateur ? Qu'il... Varric est un menteur, Inquisitrice. Un serpent. Même après le conclave, quand on avait le plus besoin de Hawk, Varric n'a rien dit. Il est avec nous maintenant. On est du même côté. On sait tous de quel côté vous êtes, Varric. Et ce ne sera jamais celui de l'Inquisition. Ça ne sert à rien de l'attaquer maintenant, Cassandra. Ah, exactement. Et vous, vous avez intérêt à ne rien nous cacher d'autre. Ah, je comprends. Il ne faut pas que je pense à ce qui aurait pu se passer. L'enjeu est trop grand. Allez-vous-en, Varric. Allez. Vous savez ce que je crois? Si Hawk avait été dans le temple, il serait mort lui aussi. Vous lui en avez fait assez baver. Je l'ai cru. Il s'est fichu de moi et j'ai tout avalé. Si seulement je lui avais expliqué les enjeux, si je lui avais fait comprendre. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je ne lui ai pas dit pourquoi on avait besoin de Hawk. Quel imbécile! Et si vous ne l'aviez pas cru, vous auriez retrouvé Hawk? À vrai dire, Hawk aurait peut-être refusé de devenir inquisiteur. Il soutenait la rébellion des mages, après tout. Il ne m'aurait pas fait confiance. Mais au fond, il ne s'agit pas de Hawk, ni même de Varric. J'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû être plus intelligente. Je ne mérite pas d'être ici. Vous êtes trop dure avec vous-même, Cassandra. Pas assez, je dirais. Vous ne pouvez pas sincèrement croire ça. Je veux que vous sachiez que je n'ai aucun regret. Si on avait trouvé Hawk, le Créateur n'aurait peut-être pas eu besoin de vous envoyer. Mais vous êtes là. Vous n'êtes pas ce que j'avais imaginé. Mais je sais maintenant que ça ne veut rien dire. Eh ben alors. C'est que du bonheur. Cassandra, sérieux. Je me dis que je ne sais pas grand-chose de vous. Ah. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne sais pas trop. D'où venez-vous? Je croyais que vous le saviez. Je pourrais demander à Leliana. Elle a réuni une quantité incroyable d'informations sur vous. Mais je ne veux pas lui demander. Je veux l'entendre de votre bouche. J'ai vu le jour à Austwick. C'est là que se trouve la plus grande partie de ma famille. Les Trevelyan, c'est ça? Un grand clan avec des armoiries plutôt bien trouvées. Dites-moi, est-ce que vous considérez les marches libres comme votre patrie? Vous avez hâte d'y retourner?
Chez moi, c'est chaque endroit où je me trouve. C'est ce que je ressens, après des années au service de la Divine. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner ? Faites preuve de prudence avec Dorian. Il prétend être un mage Tevinted qui veut rattraper le comportement de ses semblables. C'est peut-être le cas. Mais s'il ment, au mieux on dira de l'Inquisition qu'elle s'entoure d'alliés douteux. Merci pour ces informations. À bientôt, alors. Ok. Stéphane a fini par succomber. C'était un mal pour un bien. Il souffrait tellement depuis Dars. À la fin, il perdait la tête. Il a souri, a dit qu'il sentait le ragoût de navet de sa mère. Et est parti. Le ragoût de navet. Merci, Cole. Inquisitrice. Et toi, le truc. Elle s'est calmée. Je crois que vous pouvez lâcher votre arbalète. Comment ça, calmer ? Elle est en train de taper sur qui ou sur quoi en ce moment ? Je ne cherchais pas à vous cacher des choses, là. Vous auriez pu nous parler de Corypheus plus tôt. J'ai découvert son implication en même temps que vous. Jusqu'à ce qu'il débarque à Dars, je le pensais mort. Au sommet, je n'ai rien vu qui pouvait me faire croire le contraire. Je sais que j'ai des progrès à faire. Je suis désolé. Corypheus est de retour. Et merde. Vous avez dit que c'était une engeance ou un magistère. Qu'est-ce qu'il est, au juste ? Je suis pas sûr. Je crois qu'il le sait pas lui-même. C'est une engeance, ça, ça fait aucun doute. Mais quand on l'a trouvé, il avait pas l'air au courant. Il croit être un magistère, un prêtre de Dumat, pour être exact. Et il dit s'être introduit dans la Cité d'Or, comme dans la légende de la Chanterie. Honnêtement, je préfère combattre une ancienne engeance et son archidémon que m'occuper de ce trou dans le ciel. Au moins, une engeance, ça se tue. On l'a pas imaginé, la mort de Corypheus. Il était bien mort. Pas de pouls, pas de respiration, criblé de blessures. Il y avait vraiment pas de place pour le doute. Je me demande... Je croyais que les gardes avaient emprisonné Corypheus pour l'utiliser. Mais peut-être que c'était parce qu'il est immortel. Mais comment Hawk et vous avez atterri dans une prison pour engeance de la Garde des Ombres ? Corypheus a envoyé des hommes après Hawk. Il a pris le contrôle de tout un clan du Carta. Il leur a fait boire du sang d'engeance. Si c'est pas tordu, ça. On est remonté jusqu'à une sorte de vieux fort construit par les nains dans les montagnes. Et bien sûr, c'était un piège. Ils avaient besoin du sang de Hawk pour libérer Corypheus. C'est pour ça qu'ils nous ont attirés dans la prison. Il y a bien un moyen de vaincre Corypheus. On le trouvera. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez raison. Nom du Créateur, qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a une différence entre remettre en liberté et tuer sauvagement, Varric. Dans le cas présent, pas sûr. Mais vous avez plus important à faire que d'écouter mes états d'âme. Tenez-moi au courant quand vous aurez besoin de mes services. Mais oui, mais oui. C'est tout ? Besoin de quelque chose ? Non, ça va. Merci, Varric. Ok, blablabla avec deux mondes. Pour savoir quoi ou comment. Non, voilà. Ici. C'est une demande de Maître Solas, n'est-ce pas ? Il a dit que c'était selon votre bon vouloir, madame. Non, je vais m'en charger immédiatement. Ses intuitions sont fiables en général. Elle est quand même sympa l'histoire. J'aime bien. Alors, ici.
Lyrium rouge 3. Merci. Et c'est... Voyons un peu ça. Ah bah du coup, j'ai plus pour commencer. L'image rebelle. D'accord. Sketch, j'adore. Ensuite, ressources, consommes pour la position. Je peux faire ça. Inquisitrice. C'est pas trop long, alors voilà. Du coup, trouver le garde. Des nouvelles des sauveteurs? Est-ce qu'ils ont trouvé des survivants? Les fouilles prennent du temps, comme vous pouvez l'imaginer. Ouh. Cool. Et puis là, c'est quoi? Mais là, il faut que je sois à niveau 14 pour celui-là. Exalté, emprise du lion. Trouver le garde. D'abord, j'ai pas paré mon inventaire. Je vais le faire comme il faut. Améliorer un peu les armes et le stuff parce que là, c'est... C'est pas de top niveau, hein. Franchement. Ah bah il y a la Hawk. Hawk. D'accord. Oh, oh flûte, c'est vous. Maurice. Enfin, Sir Maurice, j'imagine. Je suis l'intendant de Fort Céleste et des foules qui s'y pressent. Les échoppes se développent et tant que nous avons les moyens de nous réapprovisionner, vous et vos amis serez bien servis. Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancienne intendante? Elle a pourtant survécu à Dars. Elle avait ses opinions. Elle les a toujours. Des opinions parfaitement légitimes si on est du même avis, inquisitrice. Apparemment, certains estimaient que l'Inquisition avait besoin d'un intendant plus convenable, puisqu'elle est à Orlaïs désormais. Elle reste à votre service, mais plus discrètement. Tout va bien? On a ce qu'il nous faut? Notre capacité augmente, tout comme nos demandes aux fournisseurs. J'ai dû menacer quelques contrats. C'était... grisant. Mais ben, super. Vous occupez un poste très important. Vous avez les qualifications nécessaires? Ma famille est liée à plusieurs milices domaniales, et j'ai des cousins officiers à Ferelden ainsi qu'à Orlaïs. Et vos qualifications? Ma famille a conclu un traité avec trois maisons nouvellement fortunées de Tevinter, ainsi qu'un contrat rare à Orzammar, avec l'homonyme d'un haut. Je parle de vos qualifications à vous. En toute franchise, votre grâce, je me pose la même question. Wow. Je suis à la croisée de dizaines de liens noués par d'autres. Placé là comme filet à ressources le plus vaste et le plus attractif qui soit. Mais je saurai me montrer à la hauteur. Fort Céleste ne manquera de rien, je le jure. Ok, je te crois. Je vous laisse travailler. À votre service, inquisitrice. Alors... jardin. Ça, c'est bon. Ok. La cour... Il manque deux carrières, une carrière. Mmh. Ouais. Tordeguet aussi. C'est un honneur de vous servir. On va y changer alors, cette histoire. Puis là, il faut que je trouve ma spécialisation de...
de inquisitrice, donc il faut que j'aille voir après mes professeurs. Ils sont tous très très spéciales. Hein. Ah tiens, ah, c'est par là. C'est ici. Donc, jardin chatrie ou jardin d'herbe. Vénération, réflexion. L'or ou les herbes? Bon, à chaque fois je mettais celui-là, donc j'essaye. Du coup, il n'y a plus rien. Ah oui, il y avait un dépôt, ils sont là. Ah bah j'ai bien fait, mais j'ai rien du tout à planter. Tant pis pour moi. Oui, il y a les aides. Merci pour Dars. J'aimerais en dire autant pour Golfalois, mais je reste au service de votre grâce. Alors, trois yeux. Vous êtes l'inquisitrice, hein? C'est un honneur. Ne fichez pas tout en l'air. Comment ça? En vous prenant pour ce que vous n'êtes pas. Si vous aimez que tout soit impeccable, je n'ai rien du tout à vous enseigner. Vos hommes ont demandé un artificier. Je m'appelle Trois Yeux. En piste. Merci de vous être déplacé. Les artisans sont toujours les bienvenus. Je vous arrête tout de suite. Voir ça comme de l'art, c'est la mort assurée. L'artificier construit pour la bataille. Efficacité et sens du détail sont les deux piliers de notre survie. Mais certains oublient que c'est l'artificier et non l'artiste qui conçoit les meilleurs pièges. Le cœur, c'est bon pour les œuvres d'art. Il ne faut pas s'attacher à ces jouets au point de ramasser les chevilles sur le champ de bataille. Un créateur exige de la distance. De la dignité. Ok. Ah, Bianca. Vous faites des œuvres d'art comme Bianca, l'arbalète de Varric? Je connais ces deux noms. Et? Ils s'y attachent trop. C'est lui que vous remerciez, ou votre dur labeur? Je n'enseigne rien sur les objets d'art. Je vous apprends à survivre. Ok. Je suis prête à commencer l'apprentissage. Il vous faut des outils et suivre quelques étapes de base. Voilà vos consignes. Les dernières en ce qui me concerne. Après ça, vous déciderez du déroulement de chaque combat, si vous en avez la patience. Ensuite, Kim. C'est une belle forteresse, très calme. Je me demande si on se lasse du calme. Je suis Kim. Inquisitrice, je réveille la tornade, la tempête. Ça vous intéresse? Je suis prête pour votre apprentissage. Vous avez toute mon attention. Toute votre attention? Danger. Vous dirigez à ce qu'il paraît? Je vous pose la question, à partir d'où? Au cœur de l'action? En première ligne? C'est comme ça qu'on scelle la victoire. On arrive en grande pompe, on brise le verre, on sème la tourmente, on change le combat de l'intérieur. Vous vous considérez sans doute comme quelqu'un qui dirige, mais lorsque vous êtes tempête, vous devenez quelqu'un...
quelqu'un à suivre. Vas-y. Très bien. Voyons ce que ça donne. Ça va perturber cette histoire. Excellent. Avant toute chose, il y a des conditions à poser. Cette consigne, la première et la dernière, vous donnera un aperçu de votre souffle. Goutte à goutte, inquisitrice. Le calme avant la tempête. Génial. C'est vraiment tous comme ça. Bizarre. Et toi ? J'ai reçu un oiseau. Il y avait une note. Me voilà. Vous venez m'entraîner ? Ah, c'est ça. L'inquisitrice veut devenir plus qu'une simple inquisitrice. Peut-être qu'elle souhaite marcher dans l'ombre, bien qu'elle soit imprégnée de lumière. Sauver des vies, bien qu'elle sème la mort. Comme c'est puéril. La profession d'assassin n'a pas de temps à perdre avec ça. Vous ne vous contentez pas de tuer ? Ça me semblait assez simple, pourtant. Oui, telles sont les apparences. Que je mette les choses au clair. Elle ne veut pas être assassin, pas plus qu'elle dénuée de conviction. Elle doit devenir son propre assassin. C'est différent. J'ajoute une chose, la mort n'a rien à voir là-dedans. La mort est le paiement, la séquelle. Notre conduite se situe entre la vie et la mort. C'est une porte où elle précipitera son prochain. Ok. Je connais les corbeaux antivents et les bardes du noble jeu. Est-ce que vous êtes comparables ? Ils sont des serviteurs. L'Inquisition n'a pas réclamé une servante, elle a réclamé des moyens. Je suis une instructrice, et je n'ai donc pas d'attache. Cette liberté met certaines personnes mal à l'aise. Et je sais me servir de cette chaîne. Ok. Parlez-moi des avantages. Nous pratiquons l'art de l'attaque subite, débordante. À peine sortis de l'ombre, nous ne sommes déjà plus là. Nous savons où et quand frapper pour faire mal. Et ainsi, nous envoyons un message. Nul autre n'est aussi mortellement efficace. Voilà ce qu'offrent les assassins. Je suis prête à commencer l'apprentissage. Elle est pleine de volonté. Est-ce que ça va durer ? Il y a des tâches, des procédés pour entraîner le corps et le mental, qui requièrent des gestes simples. Qu'elle fasse les premiers pas. Ensuite, nous jugerons de son potentiel. Ok. Space aussi. Parfait. Je vois, c'est quoi, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut pour... Donc... Et où les trouve ces ingrédients? C'est pas trop compliqué. Bah, traîne, salut. Inquisitrice. Alors. Obsidienne 20. Ça c'est quoi ? Non plus de bouquin. Ok. Ah, vibration de saut. Voilà. Rien du tout. Oh, quel dommage. Inquisitrice. Bon, j'aime bien y aller un petit peu à la découverte des endroits. Ça a été un peu merde. Je sais qu'il faut avoir du blabla, mais là c'est... Beaucoup. Beaucoup trop là.
cool. Vous avez lu le message que j'ai envoyé? Oui, merci. Dos Twix, super. Tac. Inquisitrice. Et l'imposteur. Inquisitrice. Et... moi, je suis niveau 12. Attends, il y a 40 secondes. Parfait. Après. Donc, on peut se lancer plus tard. Ouais, on y va. Tout va bien. Voilà, je vais aller voir justement qu'est-ce que je peux faire. Continuer, etc. Ah, ça me hurle dans les oreilles, quoi, ce machin. Alors. Faire l'Aden, alors ça on va récupérer, merci bien, ça aussi, l'imposteur, ok. Pourriez-vous mettre en place ce dont nous avons parlé, ambassadrice? J'ai réuni l'argent nécessaire, l'inquisition va indemniser les familles des victimes de Dars. Merci. Ok, ruine de Dars, ça c'est fait. Une falle, ça je vais faire ça après. Il y avait un autre truc. Bon, là, ici. Alors, ici. Du créateur, c'est pas ça. Ça, c'est tout ça, je dois explorer, quoi. Non, de Dieu. Et ça aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. Je sais pas comment je vais faire ça, hein, franchement. C'est parti pour un long épisode, je pense, hein, mais ça pour le prochain épisode. Celui-là, pour l'instant. Nous ne pouvons pas négliger l'entraînement de nos soldats. Et nous pouvons négliger les routes? Nos alliés ne peuvent pas emprunter le même chemin que nous à travers les montagnes. C'est quoi ce truc? Ah. Alors. Voyons un peu ça. Et puis les princes marchands. Commençons. Parfait. Mérim. C'est pas ça. Gagner d'argent. C'est quoi ça? Ok. Bah voilà. Maintenant, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Trouver le garde, ça sera pour plus tard. Ou maintenant. Et puis ça... j'ai du boulot, j'ai du boulot. Je dois faire ça, ça, et ça. Et les trois là. Parfait. Nom de Dieu. Pour l'instant, je vais m'arrêter ici, parce que franchement, ça vaut pas la peine de continuer, parce que je sais pas du tout ce que je vais faire, en fait. Donc, ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, on va voir l'inventaire. Ça, normalement, je peux améliorer encore. Je vais voir. En attendant, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis, ben voilà. Ciao.